Chine. Ah, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai l'impression quand même hein, qu'il se passe quelque chose quand tu mets ce CD dans ta Saturne. Cette cinématique est assez intrigante, assez féerique et ça donne bien bien envie. Donc salut à tous, c'est Yoshi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de Night into Dream sur Saturne, sorti en 96. Ce jeu est la relève. Au niveau de la Sonic Team, à l'époque, ils avaient mis un petit peu Sonic en stand-by avec les équipes de Yuji Naka et ils avaient envie de lancer une nouvelle licence, un nouveau héros. Et ils ont créé Knights, tout simplement, qui est sorti en 96 au Japon et un petit peu plus tard en Europe, aux States, en septembre. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart qui décale les jeux, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est juillet et septembre. Donc, au niveau du principe de Night, vous allez voir, c'est assez compliqué à vous expliquer. En gros, vous allez traverser les rêves de deux enfants que sont Clarisse Sinclair et Elliot Edwards, hein, les deux enfants que vous avez vus là sur le côté. Donc, dans leur rêve, en fait, ils rencontrent Night, donc le petit personnage volant que vous avez vu là, super perso qui a beaucoup de charisme, qui est excellent. Donc, dans trois niveaux. Trois niveaux chacun, trois niveaux décomposés en quatre tours, sachant que le dernier niveau leur est commun, c'est le même pour les deux. Donc on va commencer avec Clarisse et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, sachant que c'est pas évident de tout comprendre. Moi au départ j'ai eu du mal à piger le principe, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a compris le principe, ça va tout seul. Vous voyez, en fait, Clarisse va directement fusionner avec Knights dans son rêve. Et là, le but, c'est d'être de faire une sorte de course, tout simplement. Donc, je vous laisse regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la course. Voilà, vous allez traverser quand même des anneaux, tout ça. Pour faire simple, en fait, Knights va devoir traverser dans un temps minimum, en fait, la portion du niveau en faisant un maximum de points. Alors ce qui va aider à faire des points, ça va être de traverser ces anneaux, notamment, vous voyez là je fais toujours maximum pour traverser les anneaux, de récupérer des boules bleues dans un premier temps au nombre de 20, et une fois que j'aurai réussi à récupérer un maximum de boules bleues, les 20, je vais devoir passer aux boules de couleur verte, si je dis pas de bêtises, de couleur jaune. Et ensuite seulement après j'aurai accès au tour suivant. Donc vous récupérez aussi quelques petites étoiles qui vous donnent un petit peu de score supplémentaire, et aussi bien sûr le temps est limité. Bon, vous voyez là j'ai pas encore eu toutes les boules bleues, donc on va continuer et on va se refaire ce deuxième tour. Là j'essaie d'en récupérer un maximum. Alors vous voyez, quand je me tape les anneaux, comme ça je rentre dans les anneaux, ça fait un système de links. En fait c'est tout simplement des combos qui me permettent de faire du scoring, puisque Knight, même si il a un scénario un petit peu développé, ça reste aussi également un jeu où ils n'ont pas négligé la partie scoring, qui est ultra importante et qui donne vraiment une très très belle replay value au titre. Par contre là c'est vrai que de la part de Sonic Team, ils ont vraiment réussi à assurer au niveau du, comment dire,
ils ont vraiment réussi à assurer au niveau de du scoring, quoi. C'est vraiment bien foutu. Ils ont présenté les choses comme, comme il le fallait, et ça, ça fait grave plaisir. Vous voyez quand même que c'est assez joli, bien que ça ait quand même un petit peu vieilli, mais je veux dire, on se balade dans un univers 3D à la Pandémonium, un petit peu, c'est-à-dire que c'est de la 2,5D, hein, tout est en 3D autour de nous, mais nous on se déplace aussi un peu comme sur un rail shooter avec Knight, c'est totalement prédéfini, on n'a pas trop de liberté, mais... Le déplacement avec Knight, c'est juste jouissif. Hein. On a beau pas pouvoir aller en 3D dans tous les sens, c'est génial. Franchement, c'est moi avec Knight, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. C'est qu'on se sent super libre quand on se joue à ce jeu. Un petit peu à la même manière que Mario 64. Quand on volait dans Mario 64, c'était un petit peu le même principe. Bon, sauf qu'on volait en 3D, donc c'était encore mieux. Mais là, avec Knight, on ressent ce genre de sensation. Et le jeu a beau avoir un peu vieilli, ça passe encore très très bien. Sachant que si ça vous intéresse vraiment de voir ce que c'est que Knight, y a une version GameCube, pas GameCube, une version Wii qui existe. Mais également le jeu, hein, celui-ci dans son intégralité, est repassé en sur le Xbox Live et le PlayStation Network en version HD lissée, donc ça peut vous donner une idée plutôt correcte du titre et vous faire passer peut-être la barrière des graphismes pour aller sur ce titre là qui est vraiment un titre excellent en ce qui concerne le scoring. Donc vous voyez quand même, mine de rien, c'est que les niveaux ils sont quand même vachement grands. Ils sont super variés, donc ça prouve bien quand même que la Saturn était quand même bien maîtrisée par les développeurs et que quand elle était bien maîtrisée, la 3D, elle pouvait envoyer du lourd au niveau de la Saturn, puisque c'est un des principaux, bien sûr, défauts de la Saturn, vous savez. C'était de pas réussir à faire de la 3D aussi belle et aussi précise que la PlayStation. Là, en l'occurrence, avec Knight, franchement, ça calme. On voit que la Saturn, quand elle est bien maîtrisée, bon, aussi c'est une équipe talentueuse, hein, l'équipe de la Sony Team, mais on voit que quand elle est bien maîtrisée, ils sont capables de faire des jeux aussi beaux, voire mieux encore que sur PlayStation. Donc comme je vous disais, Knight, c'est un peu un jeu conceptuel, vraiment tout un délire. Donc une fois que vous avez fini votre parcours, vous avez votre score total avec un classement. Chaque parcours correspond en fait à un rêve d'un des enfants et se conclut par un boss. Donc là vous voyez, c'est l'espèce de serpent. Alors les boss sont plutôt sympas, ils sont intéressants, ils se combattent pas tous de la même manière. Celui-ci, voilà, il va falloir le pousser sur sa gueule pour le tuer. En fait, ça va raccourcir sa queue au fur et à mesure. Donc là faut que je fasse gaffe, prendre des dégâts sur sa queue. Donc Max a différents types d'attaques. Vous voyez cette attaque là où il tourbillonne un petit peu sur lui-même, il fait la toupie. On peut le faire également dans les circuits, hein, dans les rêves. Ça vous permet d'accélérer un tout petit peu plus vite. Donc ça, c'est important de le noter. Sachant que voilà, le scoring prend en compte aussi bien le temps que les étoiles que vous prenez, que les links que vous faites en chopant des anneaux et tout. Donc c'est assez complexe, mine de rien, Knight. Et le jeu, comme je vous dis, regorge vraiment de petits trucs, de petites techniques assez importantes, assez nombreuses, pardon. Pour pouvoir faire du score. Le but, voilà, du jeu, hein, c'est de le terminer une fois tranquillement. Déjà de comprendre le principe, c'est pas évident. Moi je vous avoue que j'ai pas compris tout de suite. Il m'a bien fallu une vingtaine de minutes pour comprendre un peu ce qui se passait. Donc là j'ai tué le boss, nickel. Vous voyez, puis j'ai mon scoring total qui vient s'ajouter là. Donc ouais, j'ai mis quand même pas mal de temps, hein, mine de rien, à comprendre un petit peu le principe. Donc voilà, la Spring Valley, j'ai fait 47 990 points, ce qui est absolument nul, même si je prends le record. Voyez Sonic, Knuckles, Miles, et oui, forcément, des clins d'œil à Sonic, les records sont occupés par les personnages de Sonic. Vous avez toujours en fin de niveau comme ça, ou en game over, des petits des indications. Si vous n'arrivez pas à tuer un boss, ça peut toujours aider.
Donc voilà, on se retrouve dans le monde de, en fait, de Nightopia, où voilà justement ces deux enfants, Clarisse et Elliot, pardon, vont avoir différents rêves. Donc là, on va prendre Elliot. Je vais vous montrer le premier rêve d'Elliot. Y a des niveaux qui sont franchement quand même sympas. Hein. On voit en fait dans une cinématique que je vous ai pas montré comment ça se passe pour Elliot. En fait, Elliot, lui, il fait des cauchemars. Parce que il a fait perdre son équipe à un match de basket. Et Clarisse, elle, c'est parce qu'elle a été incapable de chanter à une audition. Donc vous voyez quand même par contre qu'on peut aussi traverser les niveaux à pied. Je vous conseille pas, c'est très moche, c'est très clippé. Et putain, quand on se dit que le jeu est sorti quasiment en même temps que Mario 64, on se demande si ça n'a pas été développé avec les pieds au niveau des... Bah des phases à pied, justement. Mais concernant les phases de vol avec Knights, c'est un pur régal. C'est vraiment du plaisir à l'état pur. Moi, je me suis vraiment régalé. J'espère que sur la capture, vous arriverez à avoir une lisibilité suffisante pour comprendre un petit peu comment ça se passe, parce que ça vaut le coup. Écoutez déjà la musique aussi, l'OST, qui est absolument formidable. Ils sont vraiment assurés la, la Sonic Team. Bon, en plus Knights, c'est voilà, c'est un jeu qui a une valeur un petit peu plus que nostalgique, plus que voilà. C'était un jeu quand même assez événementiel à l'époque puisqu'il était sorti avec un coffret, un bundle en fait avec la fameuse manette 3D de Sega. Hein, très noble préfiguration de ce qu'a été la manette de la Dreamcast. Il est sorti donc dans un coffret. Donc c'est la fameuse manette 3D qui est pas indispensable pour jouer. Moi perso je ne l'ai pas. Mais je me suis quand même régalé sur le gameplay de ce Knights qui peut se faire à la manette classique, y a aucun problème. Mais voilà, ça décuple le plaisir de jeu, de jouer avec la manette 3D. Je dis bon, franchement j'aurais bien aimé avoir le petit coffret. Ça m'aurait fait plaisir. Peut-être que je me chopperais un de ces quatre, ce coffret. Donc voilà, Knights, c'est un des jeux cultes de la Saturn. Pareil, hein, comme pour Panzer Dragoon, comme pour Sega Rally, que je vous ai présenté récemment. Ça fait partie des personnages cultes de Sega, des mascottes cultes, des licences cultes de Sega. Perso, moi, je trouve que c'est vraiment un très joli personnage, Knights. A beaucoup de charisme. J'aime beaucoup son design avec son espèce d'habit et de bonnet de bouffon. Je trouve vraiment cool. Franchement, il est classe. Donc comme je vous disais, voilà, c'est Knights, c'est vraiment un concept, c'est un délire des développeurs. Je pense que vous l'avez vu. Ça ressemble à rien d'autre. C'est un ovni, quoi, une pépite, hein, en mon sens. Bon, apparemment, le jeu a pas très bien marché. Forcément, les jeux conceptuels sont toujours un petit peu chaud. Mais voilà, c'est moi, ça me plaît ce système de course là, comme ça, même si je suis pas très très bon en scoring et tout, ça m'a amusé, j'avais vraiment envie de le refaire, vous voyez. Donc là, hop, on va passer, on n'a pas assez de boules, donc on va refaire encore un tour, toujours essayer d'enchaîner les loops comme vous voyez ici. Hop, vous voyez, ça va vite un petit peu, ça commence à varier et tout. Là toujours pas, voyez, donc on continue en fait, tout simplement. Et le but c'est de récupérer toutes les boules bleues pour pouvoir passer à l'étape suivante du circuit. Vous voyez, hop, la 3D elle change un petit peu d'angle de vue. On se retrouve sur autre chose, c'est vraiment pas mal. Hop. Et là j'ai eu un petit système de bonus où je peux faire des figures avec L et R. Ça me donne un petit peu plus de points. C'est plus difficile de contrôler Knights, mais voilà, on peut faire des petits tricks comme ça avec L et R. Les étoiles aussi qui ajoutent un petit peu de points. C'est l'OST, franchement, elle vaut le détour, hein. Ils se sont pas ratés là-dessus, hein. Ah merde, j'arrive pas à retourner dans le truc. Voilà. Et vous voyez, là, c'est bon. Je vais pouvoir passer aux boules jaunes. Aux orbes jaunes. En fait, on appelle ça des chips, exactement.
Donc on va refaire quasiment le même circuit, le même tour. Mais là on va être à la recherche des bouts de jaune, tout simplement. Donc il y en a un petit peu moins à prendre. Vous voyez, là je fais la tornade et tout. Hop. Choper des étoiles. Bon, j'essaie de faire un maximum de points quand même, hein, c'est le but, hein, de battre au moins mon record personnel. Vous voyez, et là, rendez, et on passe normalement au tour suivant. Voilà, on est passé au tour suivant, parce qu'on récupère encore les chips bleus désormais. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu nice. Là le passage sous l'eau qui est plutôt pas mal, vous voyez ça lui forme une queue de poisson. Vous allez le voir un peu nice de derrière. Vous allez voir, c'est sympa. Alors attendez, on va passer ces bulles déjà, on va essayer de rechoper cet anneau. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe après avec Vous voyez, on voit bien que c'est une queue de poisson et tout derrière. On enchaîne les anneaux comme ça aussi, voilà, on est directement avec une vue derrière le personnage. Et ça continue. Hop, et on va sortir de l'eau, on va récupérer, tac, en faisant un looping, la vue normale. Donc voilà, c'est vachement bien foutu, il y a des belles transitions. Voilà, c'est, on va aller sur le... On est vraiment dans le pays des rêves. On est en fait là pour vaincre les peurs des deux petits, là, Elliot et Clarisse. Donc comme je vous dis, voilà, le scénario est un peu complexe aussi. Enfin, complexe, non, il n'est pas complexe. Je veux dire, ils se sont quand même cassés le cul à pondre un scénario pour mettre tout ça en relation. Or que bon, voilà, à la base, c'est vraiment... Quand on regarde comme ça, c'est vraiment un jeu de scoring. Hein. Mais voilà, ils se sont quand même emmerdés à créer un scénario pour ce jeu. Et donc, bah, on peut que souligner vraiment ce point fort aussi là du jeu de la Sonic Team. Voilà. Bon, comme je vous avais expliqué, c'est des circuits en quatre tours à chaque fois. Vous voyez, là, j'ai fini quatrième tour. Tac, en ayant toutes les orbes bleues et jaunes. Donc du coup on va passer une nouvelle fois à un boss. Donc lui, ah, pareil, il a une technique différente, hein. Il faut le pousser directement dans le décor sur son bide afin de lui faire traverser en fait toute la salle. Donc si je le pousse de ce côté là, si je me souviens bien, ça ne marche pas. Il faut vraiment que je le pousse sur le côté droit de la salle. Parce que là, ça ne marchera pas. Hop, donc je vais reprendre par derrière. Ah. Bon, surtout faire en sorte de ne pas rentrer en collision avec. Donc, vous voyez, c'est quand même assez spécial au niveau du design. C'est un délire, voilà. Assez chelou quand même, hein, Knight. Mais bon, moi, ça m'a quand même plu. J'ai passé un bon moment à jouer. J'y ai joué facile 3 heures à Knight. Et c'était cool. Franchement, c'était cool. Donc, on va y faire traverser aussi ça. Hop. C'est surtout les musiques qui sont excellentes dans ce jeu. D'ailleurs, je vais essayer au montage de vous mettre la musique assez forte. Que vous puissiez bien entendre. Parce que j'ai... Moi, je capture sur la console originale à chaque fois, hein, en ce qui concerne les tests Saturn. Donc déjà, je suis content. Mais le problème, c'est que voilà, en termes de son, ça capture pas non plus extrêmement fort d'un point de vue sonore. Donc ça, c'est un petit peu dommage, c'est un peu embêtant. Mais bon, on se débrouille comme on peut. Il n'y a pas trop de soucis. Je montrerai ça un petit peu au montage. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Knights? C'est assez difficile. Je sais pas trop quoi vous raconter d'autre, hein. Je pense avoir fait le... Grosso modo, la présentation rapide de ce que je voulais vous dire. Pour moi, malgré le côté un peu pixelisé de nos jours, qui fait un peu mal aux yeux, en plus c'est très coloré, hein, c'est des couleurs très chaudes à chaque fois. Bah le jeu, il garde quand même son côté enchanteur. Donc, si vous arrivez à passer au-delà, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. La jouabilité, elle, vraiment, est extra simple. Ça, il n'y a pas de problème. On prend très vite du plaisir, même si au départ, on comprend pas ce qu'il faut faire. Rien qu'à traverser les anneaux et tout, à faire des tours, au départ, on prend du plaisir. Quasiment instantanément. Donc ça, c'est une grosse force du jeu avec la bande-son.
Comme je vous disais, ouais, je recommande pas les phases à pied. Au début, vous faites toujours toucher comme ça, et ça vous permet d'aller rejoindre Knight et de pouvoir directement fusionner avec lui, puisqu'il vous reste une orbe en fait du courage. L'orbe rouge, c'est l'orbe du courage qui vous permet de rejoindre Knight et de fusionner avec lui en fait pour pouvoir voler. Comme je vous dis, ouais, c'est un petit peu complexe le scénario et tout le principe, mais c'est sympa. Franchement, c'est bien foutu. Donc là, on va essayer d'aller au maximum le plus vite. Et d'enchaîner un petit peu les links. Le but, c'est de faire des links les plus longs possibles pour multiplier vos points. C'est pas forcément évident, hein. Donc du coup, ça donne une très belle replay value au titre. Sachant qu'il y a un mode 2 joueurs à débloquer quand vous terminez le jeu. Je vais pas encore terminer, hein. Il me reste un rêve à faire pour chacun. Donc ouais, une très belle replay value aussi au titre, hein, pour améliorer notamment ses scores, mais également pour débloquer un mode 2 joueurs. Voilà, c'est un mode versus en gros, hein, de ce que j'ai pu voir. Il y a plusieurs fins aussi à débloquer. Des bonnes fins, des mauvaises fins. Je crois qu'il y a 4 fins de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, c'est soit tu prends ce jeu là pas au sérieux et tu t'amuses juste à faire tes parcours, à prendre un petit peu de plaisir et à terminer le jeu comme ça, soit tu y vas à fond et tu essaies même de t'améliorer et d'améliorer tes scores. Et là, tu peux en avoir pour un petit moment, quoi. Donc voilà, très bon jeu que ce Knight, en tout cas très original, ça c'est certain. La bande son est vraiment extra, enchanteur, enchanteresque, je sais pas comment on dit. ça souligne bien la légèreté du jeu. Ouais, c'est un jeu qui est léger. Vous voyez, comme une sorte de petit dessert après avoir bien mangé, mais un dessert qu'on sent pas sur l'estomac. Bah c'est ça, Knight. C'est exactement ça. Donc moi, voilà, ça m'a plu. C'est vraiment extra. C'est cette sensation de liberté. Vous voyez, là, je vais encore essayer de faire des tricks à mort. Tout en prenant les anneaux, mais le parcours il est un petit peu moins lisible, hein. Voilà, à des moments il y a des petits soucis de lisibilité quand même du parcours, c'est un petit peu dommage, mais voilà, quoi qu'il en soit, même si des fois on galère à piger, voilà, et hop, où est le chemin optimal, on arrive à se débrouiller quand même de façon à faire en sorte de comment dire, de retrouver facilement son chemin. Donc voilà. La musique d'invincibilité. Enfin, on dirait une musique d'invincibilité, mais en fait, non. Hein, c'est une sorte de bonus avec une espèce de traînée derrière Knight. Bon, au moins ça vous laisse apprécier la bande son, parce que moi je pense avoir fait le tour, j'ai pas compris plus de choses que ça, donc voilà, je vais pas m'éterniser à vous dire des trucs de ouf. Vous faire gaffe au temps comme vous le voyez là, parce que sinon si vous avez plus de temps, en fait vous revenez directement dans le corps d'Eliott ou de Clarisse, hein, tout dépend, et du coup vous êtes obligé de terminer le niveau à pied, ce qui est bien plus difficile, bien plus moche aussi. C'est plus difficile dans le sens où pour choper les orbes, ça va pas être du gâteau. C'est plus difficile dans le sens où vous vous déplacez plus lentement. Et c'est plus difficile dans le sens où vous êtes poursuivi en fait par votre réveil, par un réveil. Et si vous rentrez en contact avec le réveil, c'est foutu. Vous êtes game over en fait, night over, comme on dit dans le jargon de Knight. Vous êtes night over. Donc c'est-à-dire vous vous réveillez et c'est la fin du rêve et vous retournez au menu principal. Donc ça c'est un petit peu une petite difficulté supplémentaire. Donc le but vraiment c'est de réussir à faire ça dans le temps imparti. Vous voyez le chrono au milieu de l'écran. Ce qui vous permet forcément derrière de faire le plus de points et de jouer le plus facilement possible. Donc vous pouvez jouer effectivement les phases à pied avec Clarisse ou Eliott. Mais bon voilà, c'est... Au cas où vous avez plus de temps, quoi, et que vous avez mal vu vraiment le circuit. Donc là, il me reste plus que les orbes jaunes. Donc ça devrait être assez simple à avoir. Il me reste 30 secondes. J'ai largement le temps de les avoir. On va essayer de
faire un maximum de scores, mais bon, voilà. Hop, on y est juste en bas, et donc du coup, on a terminé. Ah mais non, il reste un tour, il reste un tour. Hop. Bah et là il en faut bien 20, hein. Il faut bien 20 boules, 20 chips bleus. Alors là c'est un petit passage un peu sympa, ça m'a fait penser à Mario 64 avec le pingouin quand vous faites la course. Bon c'est pas extrêmement bien fait mais ça varie, c'est ça qui est important à mon sens. C'est que voilà, on varie au moins l'action. Soit toujours pareil, donc c'est plutôt cool. Faut le signaler quand même. Qu'il y a un effort pour essayer de pas trop lasser le joueur non plus. Bon voilà, il me manque encore pas mal d'orbes bleues. Et j'ai encore 64 secondes, donc le but c'est d'aller vraiment le plus vite possible, hein, parce que forcément aussi plus vite vous allez, plus votre score sera énorme. Hein. Donc le concept est pas trop mal, moi je trouve l'idée. Faudrait que j'essaye de me choper un peu la version Wii aussi pour voir un petit peu ce qu'il a donné. Bon, apparemment elle a totalement bidé. Cette version Wii, ça m'étonne pas non plus. Pourtant j'aurais bien vu le Knights, hein, j'aurais bien vu avec la sur la Wii, je le voyais bien, je pensais que ça pouvait peut-être même limite le faire. Donc vous voyez là, plus que les orbes jaunes à avoir et on a terminé. Nous restons secondes, normalement ça devrait être suffisant pour atteindre le truc, mais ça va être chaud quand même. Et ben voilà, juste pile poil. Sinon en fait voilà, je revenais dans le corps d'Eliott. Et j'aurais dû terminer le niveau à pince en faisant à pied, en faisant attention au réveil. Donc ça aurait été beaucoup plus difficile en fait, et le game over est plus facile quand vous êtes à pied, hein, parce que vous vous déplacez plus lentement et vous êtes plus vulnérable. Voilà pour ce boss là, c'est une espèce de souris un peu chelou. Je vous avoue que je vais un peu bourriner, parce que je les ai déjà battus tout à l'heure et je me souviens plus... Enfin, je me souviens pas exactement ce que j'ai fait pour les battre. Donc vous voyez, il faut faire gaffe quand même à votre jauge d'énergie à vous en bas à gauche, qui se réduit si vous prenez des dégâts, vous voyez là du moins 5 par exemple. Donc faut faire gaffe. Moi j'ai vraiment juste bourriné pour pouvoir buter ce boss là. Et puis ça c'est passé quoi. C'est passé. Donc, là normalement il reste 2 souris je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, hop. C'est réussi, on a réussi le deuxième rêve d'Eliott. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc voilà, Knights, un jeu faussement facile comme ça à prendre. C'est un jeu de scoring, vraiment un très très bon délire en ce qui concerne le scoring. Un très très bon aussi délire des développeurs. Un petit coup de vieux, c'est vrai, mais si vous arrivez à passer ce cap-là, comme je vous dis, vous allez certainement prendre du plaisir, parce que le plaisir est quasiment immédiat grâce à une super bande-son, un gameplay qui passe vraiment tout seul. Donc je vous invite vraiment à vous faire ce jeu-là, et vous allez kiffer. Donc voilà, c'était Yoshi pour Yoshi's Hollow TV et oldisrising.com. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!